Comment fait un homme de 40 ans pour trouver la femme idéale? Ça, je sais pas du tout. Pars tout de suite. La femme idéale, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est le couple idéal. Et si tu veux trouver le couple idéal, trouve celle qui te ressemble le moins. Qu'il reste célibataire, c'est essentiel pour sa santé. Ça, c'est difficile, vous savez. Je crois que c'est une question de gentillesse. Quand on est gentil, on est beau. Le meilleur lieu pour rencontrer la femme idéale, c'est un lit. Parce que tu vois exactement qui elle est quand elle est dans un lit. Comment fait un homme de 40 ans pour trouver la femme idéale? Oh, bah, il a assez grand pour ça, il a besoin de personne. Plus de gros, il a 40 ans. Ah, là, oui. Tant qu'une femme n'est pas dans un lit, elle ne sait pas qui elle est et qui tu es. Voilà, mais oui, dans les clubs, surtout. Oui. C'est un miracle. À 40 ans, c'est foutu, on ne trouve plus personne. Mais il a un problème, lui. Hein, oui. L'homme est un obsédé. Dans ma maison, il a un problème, lui. Hein, oui. Il tombe que sur des garçons. On t'en reprochait à un homme d'avoir la grippe, d'avoir la tuberculose, d'avoir... L'homme dit pas bien, c'est un malade du sexe. Il tombe que sur des garçons. Le griffe fait le mort. On peut avoir plein de défauts, mais si on est gentil, ça passe. Et ça tient surtout. Je pense qu'une femme dit 9 fois non avant de dire 1 fois oui. Les hommes disent 9 fois oui avant de savoir dire non. D'être honnête et d'être clair. Mais la femme idéale, si elle existait, elle serait pas avec un homme, elle resterait avec elle-même. Faut pas trop réfléchir surtout, hein. Faut aller de l'avant. Montrer qu'on sait faire la vaisselle. On n'en a rien à faire. Oh non. C'est votre cas. Par contre, je sais comment une femme idéale peut trouver un homme idéal. M'envoie un SMS.